Bonjour YouTube, c'est l'heure du goûter. Prenez vos plus bons cafés, vos plus bons chocolats chauds et vos plus bons gâteaux et on va manger devant des vidéos drôles. Aujourd'hui, c'est cocaïne. Pourquoi et pas pourquoi pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé d'autres vidéos hors droit d'auteur que je peux utiliser. Parce que le problème, c'est ça, c'est droit d'auteur en fait. C'est que sur YouTube, je peux mettre ce que je veux, mais sur YouTube, c'est compliqué parce que les sons, ça coupe le son, ça coupe machin, si machin. Je m'en fous, ce moi je monétise pas, donc c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est juste que bah si ça coupe la vidéo, c'est chiant, vous avez pas la VOD quoi. Donc ça c'est relou, et ensuite attendez parce que j'ai recommencé 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, j'ai recommencé 6 fois la prise, parce que j'avais oublié de changer la scène pour passer sur la scène du bureau, du coup vous avez rien vu, du coup c'est génial. Du coup j'ai mangé déjà le biscuit à moitié. Donc aujourd'hui pardon, on a des petits lus, thé, donc ça c'est des lus thé, on a des madeleines Saint-Michel, ça c'est trop bon, et toujours pour finir le classique, les deux spéculoos. Je voulais dire spéculoos, c'est petit à la fois, ça c'est spéculoos, c'est trop drôle. J'espère que je ferai un ralenti dessus si j'ai envie de faire montage, mais j'ai pas envie, du coup je ferai pas de montage. Donc voilà, vous l'avez qu'une fois, vous l'avez pas deux. Du coup c'est nul. Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau du café aujourd'hui, nous avons. Voilà, une boîte qui tombe déjà, et aujourd'hui ça va être ça. C'est un expresso allongé que j'ai fait, donc c'est expresso l'or, c'est du Deli Zioso, c'est ça? Deli Zioso, c'est ça. Donc c'est un expresso à la base, moi je l'ai fait allongé, donc j'ai mis double fois de l'eau. Et voilà, c'est tout. On part sur la vidéo cocaïne tout de suite. Hop, attendez. Et du coup, vous avez loupé la vidéo, c'est chiant. Vous avez loupé le début. Ah, bah, du coup, elle, c'était drôle. Attends, je vais revenir après. Donc, 2-21. Le début était cool, du coup, je vais mettre le début. Et après, on va sur la meuf après, juste après. C'était vraiment cool, la meuf. C'était vraiment drôle. C'est vraiment comme ça de spion. Ah, je remets. J'ai parlé. Désolé. Hop, c'est parti. Ils sont toujours en train de me faire chier dans cette côte. Eh ben, j'ai trouvé le moyen. Je prends la brosse à dents du gosse et croyez-moi, tout le monde me laisse passer. Il est vraiment content le mec quand il dit ça, tu vois. J'ai déjà vu, du coup, c'est moins drôle, mais. Il va tomber, ça, on le sait d'avance, bref. Ça, c'est marrant, ça. Bon, le film lui, film Chicha et tout, elle est trop conne. Voilà. Je reviens parce que elle, c'était vraiment cool. Regardez, la meuf. Après on avance. Tu crois que c'est fini? Tu crois que c'est fini? Terrible erreur! Oui, monsieur! Oui, c'est possible qu'il se passe ça en même temps! C'est possible qu'une meuf appuie sur sa tête avec un bouton, sur le bouton de sa tête, et en plus qu'un mec se mange. Regarde. C'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est Knacky, hein, c'est ça qu'il a pas compris. Il arrive pas à la manger, c'est trop drôle. Ma! Can you come upstairs? That fucking cat's stuck in the house! Oh shit. Please. Ma! Can you come upstairs? A fucking cat came in the house! I'm under the bed! Il dit maman! Ma! No, no, no! Here he comes, ma! Ma, I'm sorry, I'm sorry! Aïe, coup de queue. Non, non, non. Il aura pissé dessus. Elle résiste, elle résiste, elle résiste, elle résiste. Je sais pas c'est quoi le plus drôle entre la meuf qui fait Help me! Et lui il est là. Et elle retombe comme une grosse merde. Et là je vois le chien, c'est l'explosion. Il est pas content le chien. Ils sont énormes les chevaux! C'était énorme les chevaux. Chaussons pour la neige. Parce que les chiens aiment pas avoir des trucs sur les pattes parce que c'est là où ils sentent le sol. Ils sentent le. On est avec le coussinet, faut que je le dise. Le coussinet. Entre le sol, quoi.
Fais quoi le chat? Il vole la couette. Comme c'est vous, quand vous mangez, vous avez un truc sur la langue, quoi. Oh! 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 Ça a dû l'exploser, hein. Ça a dû l'exploser, hein. Bonjour à tous, c'est l'heure du goûter. Oh. Le chien l'a suivi quand même. Oh. Pff, oh le plat. Aïe. Non. Juste moche. Il se prend le mur. Aïe. Attends. Y'a rien d'autre? Y'a rien d'autre? Wesh, c'est stylé ça de ouf par contre, c'est stylé de ouf ça. This dog has got some balls. I swear that buck's gonna fuck him up. MDR, il veut son bâton. Attends. Oh non. Oh la honte, c'est horrible ça. Fais quoi? Il enlève. Ça doit être trop bien à faire ça. Mais bon, on le fera jamais parce que du coup, on a pas le droit. On va avoir 600 heures de choix de vol en... Hein. Ça a pas de sens, il a dit. Attends, elle dit quoi? Attends. Elle a dû, c'est peut-être coccyx, hein. Ça va avoir trop mal, hein. Jamais je reste là, moi. Jamais je reste là, hein. C'est mort, hein. Jamais je reste là, hein. Wesh. Et là, il y a une vraie éruption. Là, tu pleures, là. Oh. Ah ouais. Ok. Ah si. Là, il dit sans se casser le dos. En fait, si, parce que du coup, là, le sac, quand il le porte... Ma souris, attendez. Cela a été éteint, du coup. Quand il porte le sac, en fait, quand il porte ça, quand il se lève là, voilà, ouais, ça, ce moment-là, quand il porte ça comme ça, c'est pas ses épaules qui portent, c'est son dos en fait. Je sais pas comment dire. C'est que quand vous êtes, là, je vais vous montrer parce que du coup, moi, je vais te parler de ça parce que c'est cool ça. Hop. Quand vous êtes debout comme ça, je vais mettre comme ça profil. Comme ça, c'est mieux. Quand vous êtes debout comme ça et vous faites ça, en fait, c'est les abdos et le dos qui vous portent en fait pour remonter le poids de la tête, pour remonter la tête comme ça. Bah, ce qui tire, c'est là. Ça tire. Genre, c'est comme un élastique, quoi. Genre, imagine qu'il y a un élastique ici. Si je tire, ça fait.
J'étais là, hop, c'est ça. Du coup, bah, il est con. C'est du coup, il se casse le dos. C'est ça qu'on dit, qu'il faut soulever un truc lourd, faut utiliser les jambes, il faut se baisser droit, faut se baisser comme ça. C'est du coup, ce qui monte le poids, c'est pas votre dos. Quand vous tirez sur l'élastique, genre, comme je dis, c'est vos jambes qui font monter le poids. En bref, vous avez compris quoi. Vous avez compris le délire. Du coup, on passe à la vidéo. Voilà, du coup, c'est con. Voilà, c'est tout. Voilà, je voulais dire, j'ai niqué tout le délire. Manger la porte. Attention. Putain, le mec est. C'était stylé là. C'est stylé là. Merde. Le poulpe. Il la marche. Non, c'est un poulpe. Hop, il nous reste encore deux lus et une madeleine. Après, ça finit. Allez, je connais ça. Vous allez voir, j'ai déjà vu. J'en ai déjà vu une. Et là, paf, regardez. Ça va tourner. Attendez. Ah, on voit mal. Ah, c'est con, on voit mal. Ah, c'est là, voilà. En fait, ah, ce que ça a fait à la fin, ça le fait tout le temps, tu vois, que j'avais vu. En fait, c'est que entre les deux gaz qui se mélangent, donc entre la fumée du bas et celle qu'il y avait dans la bulle de base, en fait, comme c'est deux trucs différents, ça fait chaud-froid et ça fait comme une tornade, ça fait du froid et du chaud et du coup ça tourne. Tout bêtement. Quoi? Wouah! Pas vraiment un con pour faire ça, faut vraiment être con, hein. Ça c'est vraiment chaud. Hein. Oh! Il y a une car wash. Pas con le chien. Non, vraiment? Ça, c'est horrible, ça, c'est horrible. Hein. Wesh! Mais faut l'arrêter? Mais arrêtez-le! C'était des camions, non? C'était pas des camions? Enfin, je. Enfin, des. Je. Attends de comprendre. Regarde jaune, petite pub! Allez, il a fait comment? Pourquoi il a lâché?
Il aurait pu tuer ses... il aurait pu tuer ses potes, hein. Il aurait pu tuer ses potes, hein. Wouah. Rockstar. MDR. Un canapé. Quoi qu'on est mal ça? C'est quoi qu'on est mal ça? Gammy! C'est quoi comme renflement ça? Donne ta motoneige. Il vole à 9. Oh merde! Vous voulez le filmer, du coup il s'est fait voler sa caméra. Wouah! Ça fait peur en vrai, un lion. Putain, c'était moi, c'est gros quoi! Mais défoncez tes os! Oh, propre! Oui. Alors, ça, c'est venu suite à un lancement de... Merde, je sais plus. Bref, SpaceX, je crois que c'était. Je sais plus, bref. Il y a eu un lancement de fusée aux États-Unis, côté Texas, il me semble. Donc à gauche, en fait. Non. Enfin bref, je sais plus. Je sais plus où il posait la base, mais bref. Il y a eu un lancement dans une base aérienne, dans une base spatiale aux États-Unis, sur la gauche de la carte, on va dire, comme ça. Pour que ce soit plus simple. Sur la gauche de la carte. Sauf qu'à droite, du coup, côté Miami, ils ont vu ça. Et du coup, ils ont dit putain et tout, OVNI. En fait, non, c'est juste que du coup, la Terre elle tourne, le soleil il est rond. Enfin, la Terre elle est rond. En fait, c'est que d'un côté c'était le jour, il y a eu le lancement. D'un côté c'était la nuit. Et du coup, ils sont du putain, il y a un OVNI. En fait, non, c'est juste que l'autre côté de la Terre, c'était le jour, tu vois. Genre, c'était le jour, genre, il faisait jour, normal. Ils faisaient un lancement en fin de journée. Sauf que eux, il fait nuit noire déjà. Du coup, voilà, c'était. Voilà. Et du coup, c'est normal, en fait, c'est juste le. C'est pas le lancement, c'est. C'est le lancement du machin. Non. Et genre, en fait, lumière que tu vois qui détache, en fait, du coup, vous voyez là, il y a un petit point blanc qui détache. En fait, c'est quand. Vous savez, sur une fusée, il y a un réacteur, il y a un gros réacteur. Ça pousse à fond, quand il est vidé, ils le virent, il y en a deux autres qui prennent le relais, quand les deux sont vides, on les vire, il reste plus que le dernier qui reste sur la station. Donc c'est ça qui retombe. Ouais, celui qui se barre là, c'est le gros principal. Voilà, c'est tout. À l'époque, je m'en souviens de ça, en fait, et tout m'avait dit putain, OVNI et tout. Et des gens ils croyaient dans mon entourage et ça m'avait choqué. Pourquoi il fait ça lui? Il est con. La corde. Ah! Dommage, by the way. T'es nul. Ça veut rien dire ce que je dis en anglais, mais c'est drôle. Oh, comment t'es moche en plus. Ah. Oh. Hey. Oh. 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 Moi j'ai peur du vide, du coup ça me fait toujours flipper comme ça. Oh. Merde. Deux points laser, stop machine. Gilet jaune de Noël. Pur, meilleur que de Noël. Meilleur que de Noël ever. Meilleur de Noël ever. Le meilleur ever. On a combien de minutes là? 20 plus bientôt. Karma. Fais le malin.
Mais voilà, ils ont joué ça aussi, tu vois. Nous, on a... Putain, regarde, mec, ce qu'ils font avec la voiture. Merde. Merde. T'as vu ce qu'ils font avec la voiture? Nous, on a quoi en France? On a gilet jaune. Nous, en France, on a ça, là. En France, on a ça. En France, on a ça. Et eux? Aux US, ils ont... Ils ont ça! Tu veux faire quoi? Ça bouge! Incroyable! Mais vrai. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. C'était donc l'heure du goûter de Négor. Troisième édition du nom. Moi, c'est toujours bien de le faire. En fait, j'aime bien. C'est que. Je vous parlais toujours un petit peu de ça avant que ça finisse là, parce qu'il reste encore, on va dire, une minute. Cette émission est cool, en fait, j'aime bien la faire parce que. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Je prends toujours. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est. Pas comment ça s'appelle ça en français. Enfin, ça s'appelle une serre en malgache, mais. C'est une natte, quoi. Enfin, vous voyez, c'est des feuilles qui sont tissées. Et du coup, ça fait un panier, quoi. Enfin, ça fait un plateau, on va dire. Et du coup, je mets toujours mes gâteaux dessus. Je mets toujours dessus. Je prends toujours mon café à 16h. Et voilà, quoi. Donc, c'est. J'aime bien. J'aime bien faire cette émission-là. J'espère que ça vous plaît. Souvent, c'est là où j'ai du monde à ce moment-là. En fait, c'est là que les gens y passent et puis ils regardent vite fait une vidéo qui est drôle avec un mec qui parle tout le temps. C'est chiant, mais moi je trouve ça drôle et les gens aiment bien en général. Que dire de plus? Rien. Troisième édition sur Zap de Cocaïne. On a fait un quart d'heure sur la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, ciao tout le monde. Ça reprend quand? Bonne question, si je la ressors celle-là. En fait, comme j'ai pas le planning sur YouTube, je les sors que quand je veux en vrai. Logiquement, je ferai cette émission là. Je pense le mardi, le jeudi, je pense que je ferai ça en live, je pense. En tout cas, à partir de lundi, on est dimanche, donc la vidéo je la sors ce soir, on est dimanche. À partir de lundi, je me mets un planning sur les streams, si vous voulez venir passer sur les streams. Je me mets un planning, on va stream logiquement tous les jours à 14h, ça c'est prévu toujours, comme d'habitude. Mais on va stream avant, pendant une heure et demie, où je vais tenter un jeu sur Fortnite pour m'améliorer. Donc n'hésitez pas à passer si vous voulez venir. Après, souvent, le plus de monde, là où il y en a, c'est le soir, mais donc voilà, n'hésitez pas à passer si vous travaillez pas ou si vous êtes disponible le matin. Et voilà, planning dans la description sur ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à passer. Ciao tout le monde, c'était Négor, et surtout pas, portez-vous bien. On est encore en live, on reste, hein, on va jouer encore après. Donc voilà, ciao ciao.